Gromly avec une équipe de type aquatique. Là, le but c'est de switch. Alors, même s'il nous avait assommé, on aurait bien changé. Oh là là, je devrais pas faire ça. Là, nous ne cherchons pas avec toile fragile à l'abîmer alors qu'il fait son soufflet effroyable. Là, si j'en ai un peu de chance, si ça somme, sinon ça change rien à la suite. Ok. Non, mais je n'avais pas vu venir le coup critique. Faut que j'avoue. Ça, c'est sympa de ta part. Ah ben voilà, parfait parce qu'il est à moins de 50% de sa vie, donc gober tout entier fait deux fois les dégâts. Parfait. Parfait, donc mon plan c'était vraiment de faire une deuxième fois geyser cumulé avec SM, mais vu qu'il s'est assommé tout seul avec moissonneur, avec son moissonné, ça m'a sauvé. Enfin bon, en tout cas je pense que c'est la team, peut-être pas comme ça, enfin la team qui convient. Si vous avez de la malchance au premier coup où il vous a où il fait un assommé, ça change rien à la suite, vous faites SM, ça fait que quand lui switch pour Gromly, il a deux tours de défense brisée, vous essayez de le tabasser avec jaillissement d'eau. Si votre grenouille meurt comme la mienne, bah faites ce que j'ai fait, c'est-à-dire faites un geyser le plus tôt possible et continuez. Mais moi j'ai eu de la chance parce qu'à un moment il s'est assommé tout seul, sinon je pense pas que c'était possible. Quoi qu'il en soit, le crabe était là en soutien, même si on l'a pas beaucoup vu, sauf à la toute toute fin. Voilà.